Aujourd'hui, on va parler de la Corriveau. Mais avec cette légende-là, je vais pouvoir vous montrer comment naît une légende. Parce qu'une légende, ça part toujours d'un fait vrai. Alors, je vais commencer par les vrais faits historiques sur la Corriveau, la vérité. Après ça, on va compter une légende sur elle. La Corriveau, là, elle s'appelle Marie-Joseph de Corriveau. Elle est née en 1733 à Saint-Vallier. Saint-Vallier, ça, c'est sur la côte du Sud, entre Montmagny et Québec. Elle se marie, elle a 16 ans. Mais à l'époque, là, c'était pas extraordinaire de se marier à 16 ans. Avec Charles Bouchard. Ils vont rester mariés 11 ans avant le décès de Charles Bouchard. Ils vont avoir 3 enfants, Françoise, Angélique, puis Charles Junior. Quand ça, c'était souvent, on avait ça, là, le premier fils souvent portait le nom du père. On voit ça souvent, ça. Et puis, après le décès de Charles, elle se remarie 1 an et 3 mois plus tard avec Louis Dodier. Mais le mariage, il ne sera pas aussi long. Il va durer juste 1 an et demi. Et le 27 janvier 1763, on retrouve Louis Dodier mort dans son écurie, dans l'étable, là, dans la stalle des chevaux. Alors, vous comprenez bien, là, tout le monde, dans des alentours, les voisins vont accourir, il est mort, il est mort. Puis ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé, puis là, bien, on dit que c'est un accident. Alors, là, il va falloir faire ce qu'on appelle un rapport du coroner. C'est qui va écrire le rapport du coroner? C'est le curé. Parce qu'on a appelé le curé! Là, il est mort, mais c'est important, vous savez, à l'époque, les derniers sacrements, que le curé soit là pour, bon, donner les sacrements sur le corps, même s'il est mort, c'est important. Alors, le curé, lui, il écrit. C'est écrire, évidemment, parce qu'à cette époque-là, c'est pas tout le monde qui sait écrire. Puis c'est pas tout le monde non plus qui est capable de signer son nom. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de lire ni d'écrire parce que les écoles, en 1763, il y en a pas beaucoup. Puis quand tu es dans un deuxième rang, là, tu es loin de tout. Puis même au village, là, il y a presque pas de personnes nécessairement qui vont à l'école, là. C'est pas encore établi, le système, là, comme on va connaître plus tard. Alors là, il y a un rapport qui est fait. Et c'est Jacques Corriveau, qui est le capitaine de milice, qui va dicter au curé le rapport. Puis là, il dit, là-dedans, entre autres, qu'ils ont trouvé Louis Dodier mort avec des blessures à la tête, puis il était sous les pieds de ses chevaux. Entre guillemets, sous les pieds de ses chevaux, si on peut dire. Bon. Et puis là, les gens, il y en a juste deux qui sont capables de signer, outre le curé qui a rédigé le rapport, mais lui qui ne le signe pas, il fait juste de le rédiger. Il y a Jacques Corriveau qui est le capitaine de milice, puis un autre homme. Toutes les autres, ils font un X. Puis là, à côté du X, là, bien, le curé, il a marqué le nom de chacun pour être la preuve là, qu'eux autres, ils ont vu ça. Là, bon. Là le frère de Louis Dodier, il s'appelle Joseph, mais lui, il n'était pas proche. Il restait à 1 lieue de là. 1 lieue, ça veut dire 4 kilomètres. Fait que le temps que quelqu'un ait porté la nouvelle, le temps qu'il revienne, mais là, ils sont déjà en train de penser à mettre Louis Dodier dans son cercueil. Il l'a presque pas vu. Il a vu qu'il y avait un bandage sur la tête. Puis là, ils l'ont enterré vite, vite, vite. La journée même, le soir même, il est enterré. Ah, là, il dit, pourquoi vous faites ça si vite? Pourquoi vous faites ça si vite? Le frère à Louis Dodier, il dit, bon, on a eu des ordres de faire ça vite. Alors là, il l'inhume. Et puis là, ça commence à parler les rumeurs tout alentour. Bien là, pour moi, c'est pas son cheval. Il me semble que ça n'avait pas l'air d'être des blessures faites par un cheval. Puis là, il a peut-être qu'il a été tué. Puis là, ça se met toutes les rumeurs. Surtout que Louis Dodier, avec son beau-père, Joseph Corriveau, le père de Marie-Joseph, ça marchait pas bien ensemble. Ça a l'air que ça se chicanait souvent. Même une fois, ça s'était chicané à cause du four à pain. Eux autres, ils restaient tous les deux voisins. Puis dans le temps, bien, t'avais des fours à pain extérieurs, hein? Et puis, bien, ils partageaient le même four à pain. Puis ça a l'air même que c'était chicané, qu'il y avait presque venu au coup. Qu'il y avait quelqu'un qui les avait séparés. Puis ça a l'air aussi qu'avec son épouse, ça fonctionnait plus ou moins bien aussi, là, dans le ménage. Fait qu'avec toutes ces rumeurs-là qu'il y a, puis tout ça, le frère de Dodier puis ses deux sœurs, ils ont dit, bien, nous autres, là, tout le monde a l'air à dire que c'est pas un accident. On va demander une enquête. Ils ont demandé une enquête. Là, il fallait qu'ils exhument, hein, qu'ils leur sortent, ils l'avaient enterré. Le corps de Louis Dodier. Fait que ça s'est fait. Et puis, le médecin qui a fait le rapport, qui s'appelle George Fraser, il écrit que ça se peut pas qu'il soit mort, que ce soit des coups qu'il a reçus d'un cheval, qu'il y a 2 coups à la tête, mais ça se peut pas que ce soit des chevaux qui aient fait ça. Ah ben là. Puis là, comme il chicanait souvent avec son beau-père, bien là, on a mis en arrêt Joseph Corriveau. Puis sa fille, Marie-Joseph de Corriveau, l'épouse de Louis Dodier, ils ont été arrêtés. Parce que là, ils doutaient qu'ils pouvaient avoir affaire là-dedans.
Là, il y a eu un procès. Ça a été au mois de mars, le procès. À la fin du mois de mars, ça a duré 9 jours. Là, il y a plein de personnes qui sont venues témoigner. Entre autres, les 10 personnes là, qui avaient signé, ceux qui ont fait des X là, sur le rapport du coroner, puis les 2 qui ont signé, mais ils sont venus dire, « Mais regardez, on l'a pas vu, nous autres, l'accident. On n'a pas vu si c'était un meurtre, on n'a pas vu l'accident. On est arrivé, il y avait un corps dans la stalle des chevaux, mais les chevaux n'étaient plus là. Mais il était dans la salle des chevaux, puis il y avait des blessures à la tête. Mais on ne peut pas confirmer qu'est-ce qui s'est passé. » Parce qu'évidemment, la personne qui a trouvé, c'était un des serviteurs. Quand il a trouvé Louis Dodier le matin dans la stalle des chevaux, il a sorti les chevaux de là. Hein? Il n'était pas pour les laisser là puis qu'il risquait de piétiner le corps. Fait que tous les témoins, quand ils sont arrivés, bien, ils ont vu un homme blessé à la tête, mais dans la stalle des chevaux. Fait que ça, mais ils ne pouvaient pas dire si c'est vraiment les chevaux qui avaient fait ça. Puis le médecin avait dit que c'était pas ça. Fait que là, 9 jours de procès, mais là, les personnes qui viennent, là, bien là, c'est pour dire, Louis Dodier puis son beau-père, ça s'entendait pas, ça chicanait, puis même avec sa femme, ça fonctionnait pas beaucoup, puis ça chicanait souvent, patati, patata. Fait que là, après 9 jours de procès, là, les juges ont décidé que le coupable, c'était Joseph Corriveau. Puis là, c'était la pendaison. Pour meurtre, là, c'était la pendaison. Il a été condamné à être pendu. Sa fille, elle, était complice. Ils ont décidé qu'elle était complice, d'après tous les aveux qu'il y avait eu de chacun, là. Et puis, comme complice, elle devait avoir 60 coups de fouet. 30 à Québec, puis 30 à Saint-Vallier, d'où elle était native, là, où elle demeurait. Puis en plus, elle, il fallait le châtiment de la flétrissure. Ça veut dire qu'il prenait un fer chaud avec un M, là, brûlé, qui chauffe dans le foyer, là, dans un feu, pour y mettre la lettre, dans la main gauche, la lettre M, hein, qui veut dire meurtrière. Imaginez, là, quand ça arrive, là, la peau là, qui brûle là, pour avoir le M, là, c'est pas évident. Fait qu'après ça, bien évidemment, le père Corriveau, avant d'être pendu, il voulait toujours bien rencontrer un prêtre, se confesser, puis bon, c'est un bon catholique. Fait qu'il rencontre un prêtre, puis là, le prêtre, il lui pose la question, « Est-ce que tu as tué Louis Dodier? » Mais là, Corriveau, il dit, « Non, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est ma fille. » Et là, le prêtre lui a dit, « Faut que tu dises la vérité, parce que si tu meurs sans avoir dit la vérité, tu peux pas aller au ciel. » Fait que là, il est revenu sur sa parole. Il a fait dire au juge que c'est pas moi qui ai tué Louis Dodier, c'est ma fille. Là, ils ont fait un deuxième procès. Là, ça n'a pas été long, ça a duré juste une journée, ce procès-là. Et Marie-Joseph de Corriveau, elle a avoué, elle a dit, c'est moi qui l'ai tué. Avec une petite hache, 2 coups à la tête durant qu'il dormait. Et puis là, elle a dit qu'elle est allée après ça chercher son père, qui restait dans la maison voisine. Puis lui, il est venu avec elle, puis ils l'ont transporté dans l'étable, puis ils l'ont mis dans la stalle des chevaux pour faire à croire que c'est les chevaux qui avaient reçu un coup des chevaux qui étaient là, puis c'est de même qu'ils étaient morts. Alors là, elle, à ce moment-là, c'est elle là, qui va être condamnée à être pendue. Mais on va rajouter une affaire pour elle. Après être pendue, elle va être obligée d'être mise, ce qu'ils appellent ça, suspendue dans les chaînes. Ça, c'est mis dans une cage, là, suspendu, là, vu au-dessus de tout le monde, là. Puis, c'est quand même spécial, hein? Lui, le père Corriveau, il avait juste pendu. Pas d'affaire de suspendu dans une cage, là. Puis, elle, complice, elle avait des coups de fouet, puis tout ça, puis le M dans la main. Son père, qui est son complice aussi, vu qu'il l'a aidé à essayer de maquiller ça en crime. C'est un complice, ça. Mais lui, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de coups de fouet. Il n'y a pas rien, il est relâché avec rien. Fait que c'est comme si on aurait dit que le fait que la femme a tué son mari, c'était plus grave que le père Corriveau qui aurait tué son gendre. Ça avait l'air que au niveau de la loi à l'époque, c'était plus grave une femme qui tue son mari qu'un homme qui tue un autre homme. Mais la fameuse cage, là, ça, là, c'était une coutume qui venait des Britanniques, de l'Angleterre. On ne faisait pas ça en France. Puis en Nouvelle-France, nous autres, nos ancêtres, bon, à l'époque, c'était la Nouvelle-France, mais là, on venait juste, en 1763, on venait juste d'être conquis par les Anglais. Fait que là, ça commençait à s'appeler la province de Québec. Bon, on n'était pas habitué à ça, d'avoir des morts qu'on suspendait de même, mais ça, c'était pas pour rien qu'ils faisaient ça, les Britanniques. C'était comme exemple. Comprends-tu que tu passes devant quelqu'un qui est mort, là, dans une cage en train de, on s'entend, en train de se décomposer? C'est pas trop intéressant. Fait que là, tu te dis, moi, j'ai pas envie de tuer personne, j'ai pas envie de... Bon, t'sais. C'est comme pour dissuader les gens de faire des crimes. Mais ça, on faisait ça quand on considérait que c'était des graves
des crimes graves. Fait qu'elle, ça a l'air que tuer son mari, c'était, comme je vous ai dit, très grave. La fameuse cage, c'est pas une cage comme on l'entend aujourd'hui. C'était des cerceaux de fer reliés ensemble par des bouts de fer puis des chaînes. Alors, elle avait ça à l'entour des jambes, puis avec un chose en arrière de métal là, qui reliait les cerceaux. Après ça, au niveau du corps puis de la tête. Puis elle était accrochée là-dedans. Imagine, c'est pas trop rigolo. Il y a deux personnes ici qui ont eu ce supplice-là. Il y a eu un homme qui avait fait un meurtre 2 ans avant elle, dans le coin de Montréal, à l'île Jésus, à Saint-Vincent-de-Paul. Et lui, c'est grave, par exemple. Là, on peut dire que ça valait ça, entre guillemets. Il avait tué 4 personnes, lui. Il avait tué un père, une mère, un garçon, puis une nièce, pour voler l'argent dans la maison. Puis là, il avait mis le feu à la maison pour, en pensant que tout va brûler, puis que personne ne va pouvoir voir qu'il a fait un crime. Mais le feu, ça n'a pas tout brûlé. Le feu s'est éteint, puis on peut voir qu'il y avait un crime. C'est un dénommé Jean Mézeray. Et puis lui, il a été pendu, puis il a été suspendu comme ça dans une cage. Puis lui aussi, il y a une légende. Ça, c'est celle de l'autre à Valiquette. Fait que ça, c'était vraiment une coutume anglaise. Ici, au Québec, là, on connaît 2 personnes qui ont été comme ça, là, suspendues. Puis, en plus, ils ont été jugés dans une cour martiale. C'est des soldats qu'ils ont jugés. Parce qu'il n'y avait pas encore une cour civile d'établie, parce que ça faisait pas longtemps que les Anglais avaient conquis la Nouvelle-France. Ça fait que pour les 2 procès, imaginez-vous donc, c'est des personnes qui parlent français, à qui ça arrive, qu'il faut que tu interroges, mais tu es jugé par du monde qui parle anglais, par des juges puis des jurés anglais. Fait que ça prend quelqu'un qui traduit. Fait que c'est peut-être pas toujours évident de se faire comprendre jusqu'à quel point que tout a été clair des fois dans ces procès-là. On peut peut-être se poser un petit peu la question. En tout cas, c'est de même là, que ça s'est passé. Ça, c'est la vraie, vraie histoire de Marie-Joseph de Corriveau. Elle a tué un mari. Mais par la suite, en 1850, on va trouver à Lévis, on veut agrandir le cimetière. Puis pour agrandir le cimetière, on va creuser puis on va trouver la fameuse cage. Parce qu'elle a été exposée à peu près 40 jours dans sa cage. Parce que les gens qui voyaient ça, ils n'étaient pas intéressés. C'est pas trop intéressant. Quand ils l'ont suspendu, on était rendu au printemps. Fait que le corps, là, il se décomposait. Le monde pensait là, il avait peur. Ils se sont plaints. Ils l'ont enlevé après à peu près 40 jours. Mais là, on ne savait pas qu'est-ce qu'il avait fait du corps. Alors, ça avait l'air qu'ils l'ont enterré là. Ça longeait le cimetière. Elle ne pouvait pas être enterrée dans le cimetière parce qu'elle avait fait un crime puis tout ça. Bon. Alors, ils l'avaient mis dans sa cage. Puis quand ils ont voulu agrandir le cimetière, bien, ils l'ont retrouvé. Cette cage-là s'est en allée aux États-Unis, au musée Barnum. En tout cas, là, ça a l'air qu'ils l'ont retrouvé. C'est pas certain à 100 %, mais ils ont trouvé une cage. Ils pensent que c'est la cage de la Corriveau. Mais c'est une cage, en tout cas, c'est pour une femme probablement, parce que c'est juste 5 pieds. Ça a juste 5 pieds, puis elle était petite, la Corriveau. Ils disent qu'elle n'était pas grande. Fait que ça se peut que ça soit sa cage à elle. Fait que c'est ça, la vraie histoire de la Corriveau. Mais là, quand ils ont trouvé cette cage-là, en 1850, là, ils ont commencé à dire, bien, elle a tué son premier mari parce qu'elle voulait se marier avec Louis Dodier. Puis 3 mois après avoir tué son premier mari, elle s'est mariée avec Louis Dodier. Ça, c'est une des légendes. Mais on sait que c'est pas 3 mois après. Hein? Tous les documents, là, si on va voir les mariages, les répertoires dans les mariages, j'étais allée lire les choses de mariage, elle s'est mariée 1 an et 3 mois après. Il y a 3 mois, mais il manque le 1 an. Fait que c'est pas vrai là, qu'elle a tué son premier mari pour se marier rapidement avec l'autre. Puis son premier mari, bon, on dit qu'elle y avait fondu, du plomb fondu dans l'oreille durant qu'il dormait pour le tuer. Mais il n'est pas mort du tout de ça, Charles Bouchard. D'après les documents qu'on a, il est mort des fièvres putrides. Ça veut dire le typhus. Fait qu'on comprend, elle en a tué un, oui, puis elle a avoué qu'elle en avait tué un, mais elle en a juste tué un. Mais là, les gens ne savent pas rien que ça. Elle en avait tué 2, elle en avait tué 3. Ça va jusqu'à 7 maris. Elle aurait tué jusqu'à 7 maris. Ça, en l'espace, elle se marie son premier mariage, elle a 16 ans, puis quand elle se fait pendre, elle a 30 ans. Mais les données historiques, on sait que c'est pas vrai qu'elle en a tué 7, là. Bon. Mais on voit comment la légende, vous voyez, avec une affaire qui est épeurante, un mort dans une cage, là, qui est en train de se décomposer, puis là, ça fait peur. Tu veux pas passer là la nuit, c'est épeurant. Même, il disait, là, qu'en dessous de la cage, la nuit, il y avait des diables puis des sorciers qui venaient danser. Fait que là, tu veux pas passer là. Puis là, bien, tranquillement, pas vite, là, la légende se forme. Puis quand ils ont retrouvé la cage en 1850, bien là, la légende a recommencé. Puis comme les données historiques étaient très, très loin, là, ça faisait quand même un bout, là, que c'était arrivé une centaine d'années. Fait que là, ils ont commencé à dire, bien là, elle avait X mari, puis tatati, puis ils en ont mis, puis ils en ont mis, puis ils en ont mis.
Là, je vais vous conter une des légendes qui a rapport à la Corriveau. C'était François Dubé. François Dubé, il est de Saint-Jean-Port-Joli. Il monte à Québec. Et puis là, il voit des amis. Puis là, le soir, avant de partir, il va manger à l'auberge. Puis il est avec des amis. Puis il prend un petit coup tout en parlant à ses amis. Puis là, il dit, moi, je redescends tout de suite à Saint-Jean-Port-Joli à soir. Hey, ses amis, ça n'a pas d'allure. T'es pas pour passer devant la cage de la Corriveau. Parce que la cage de la Corriveau, là, elle a été pendue à Québec. Mais après ça, ils l'ont mis à Lévis, aux quatre coins de chemin de Lévis, qu'ils l'ont suspendue là. Parce que c'était bien passant. Puis si tu veux donner un exemple, bien, il faut que le monde le voie. Fait que là, la place la plus passante, c'était là. Fait que lui, il veut pas, pour tourner vers Saint-Jean-Port-Joli, il fallait qu'il passe par là. C'était le seul chemin qu'il y avait, à ces quatre coins de chemin-là. Et du moins, il dit, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur, je vais m'en aller, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il part, avec sa voiture Eiffel. Puis là, quand il arrive dans le coin où est la cage de la Corriveau, il ventait fort ce soir-là. Puis il entendait comme une lamentation. Mais il dit, ça doit être le vent qui passe dans la cage, puis dans les ossements, puis tout ça, puis ça fait du bruit. Mais il dit, je vais toujours bien y faire une petite prière en passant. Ça peut pas y faire de tort, puis ça peut juste lui faire du bien. Seigneur n'en fait pas de bien, en tout cas, ça peut pas y faire de tort, ça, c'est certain. Puis là, il a fait sa petite prière en passant, son petit dépofondis, hein, la fameuse petite prière qu'on dit pour les morts. Puis après ça, il y avait toujours son petit flacon à côté de lui, avec un petit peu de boisson dedans. Puis il a pris un petit coup pour se réchauffer, parce que c'était pas chaud. Puis il continue son chemin. D'un coup, il entend « toc, toc, toc ». Il dit « qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose après ma voiture qui se brise? Elle a une roue de voiture, quelque chose, en tout cas. » Il débarque de sa voiture, il fait le tour, il n'y a rien qui est brisé. Il continue. Ça fait toujours « toc, toc, toc », mais il ne voit pas rien. Il continue même jusqu'à Saint-Michel. Rendu à Saint-Michel, il dit « ouf, il y a un petit endormitoire qui le prend. » Il dit « je pense bien que je vais faire un petit somme. » Il débarque de sa voiture, il prend les cordeaux du cheval, puis il entoure à l'entour des pattes d'en avant pour pas que le cheval bouge. Puis là, il regarde le ciel. Il regarde le chariot au côté nord, la grande ours. Il regarde du côté sud, vis-à-vis ce qu'on appelle les trois mages, c'est-à-dire la constellation d'Orion. Les trois mages, c'est la ceinture d'Orion, les trois rois mages. Il regarde ça. Il regarde comme font les étoiles. Il est à peu près minuit. Il dit à minuit, c'est l'heure qu'un bon chrétien devrait faire un petit somme. Fait qu'il dit, je vais me mettre en dessous de ma voiture pour pas avoir d'humidité. Quand il arrive, il faut se pencher pour entrer en dessous de sa voiture, il regarde un peu vers du côté nord, puis il voit l'île d'Orléans. Allons, c'est tout illuminé. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il s'en va, il traverse le chemin, il y a un fossé, il saute le fossé. Là, il y avait une clôture. Il s'appuie dessus, puis il regarde. C'est comme s'il y avait eu des milliers de feux follets sur l'île d'Orléans, c'était tout illuminé. Là, il regarde ça bien comme faux. Allons, c'est épouvantable ce qu'il a vu là. Des genres de sorciers, c'était comme des squelettes. Avec des griffes. Une grosse dent qui sortait ici comme ça, comme un rhinocéros. Une queue de vache. Un chapeau pointu. Puis là, il y en a qui avaient juste un œil comme un cyclope. Il y en a d'autres qui avaient deux yeux. Puis il y avait comme, c'est ça, trois yeux pour deux. Hey! C'est vraiment épouvantable. Puis toutes les lumières qu'il voyait, bien, c'était ces yeux-là. Des flammes qui sortaient par les yeux. C'était ça, toutes les lumières qu'il voyait. Puis là, ils se sont mis à chanter une chanson. Une chanson que lui, François Dubé, chantait quand il était avec ses amis, puis qu'il prenait un petit coup. Puis là, ils ont changé les paroles de la chanson. Il n'était pas content de ça. Il dit, chante ma chanson, puis ils ont tous changé les paroles. Mais la chanson, ça, il disait de venir danser avec eux autres, les sorciers de l'île d'Orléans. Oh, il fait signe que non de même, ça, il tente pas. Puis là, il se rend compte que tout d'un coup, tous ces sorciers-là, ils regardent comme vers la gauche, là, en arrière de lui. Il se tourne de bord. Il avait un géant, là. Il était grand. Il avait un chapeau avec trois pointus dessus. Puis par-dessus, là, comme une plume, c'était une épinette. Imaginez qu'il fallait qu'il soit grand pour avoir une épinette sur la tête. Puis là, il y avait un gros chaudron. Puis sur le gros chaudron, là, il donnait des coups là, comme si c'était un tambour. Puis là, il disait, va danser avec les sorciers. Et lui, il dit, je veux pas y aller. Tout d'un coup, toi, il sent sur ses épaules comme deux mains sèches qui l'agrippent, puis quelqu'un qui voudrait grimper sur le dos. Il regarde. C'était la Corriveau dans sa cage qui essayait d'y monter sur le dos. Puis là, il dit, tu vas m'emmener pour danser avec mes amis les sorciers sur l'île d'Orléans. Et il dit non. Elle dit, faut que tu m'amènes. Elle dit, moi, je ne peux pas traverser le fleuve Saint-Laurent parce que c'est un fleuve béni, hein? Saint-Laurent. Ça le dit, Saint-Laurent. Il ne voulait pas. Il fait signe que non. Non, 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 non. Elle dit, oui, tu vas m'amener. Puis là, je ne veux pas. Là, les autres là-bas, ils chantent. Amène la Corriveau danser avec nous, amène la Corriveau danser avec nous. L'autre, là, avec son tambour, amène la Corriveau, envoie, traverse la Corriveau. Il veut pas. Elle te le pogne à la gorge. Elle dit, si tu veux pas, là,
Je t'étrangle, puis je vais y aller sur ton âme. Puis elle l'a poigné à la gorge, puis elle l'a serré, puis elle l'a serré. Il a perdu connaissance. Le lendemain matin, il s'est réveillé, il était dans le fossé. Puis là, il entend le mésange qui chante. Bien, il dit, coudonc. Il se demandait, es-tu mort ou vivant? Mais là, il entend le mésange qui chante. Il dit, coudonc, je suis vivant. Et il voit son flacon à côté de lui. Il dit, je vais toujours bien m'en prendre un petit coup pour me réchauffer. Là, j'ai passé la nuit dans le fossé. Il arrive, il faut prendre son flacon, toi. Plus une goutte, la Corriveau avait tout bu. Ça, c'est une des légendes sur la Corriveau. Une autre légende que je peux vous conter, c'est le fameux... Vous savez, celui-là qui a été tué, là, qui a tué les 4 personnes à Montréal, à l'île Jésus, là, dans le coin de Montréal. Là. Le Jean Mazier, là, il y a une légende, lui aussi. Ça s'appelle l'hôte à Valiquette. Valiquette, ce matin-là, il avait fait baptiser. Son premier enfant, un petit gars, il était-tu content, son premier enfant, puis tout ça, puis un héritier, il était content. Ça, c'était à Saint-Vincent-de-Paul, dans le coin de Montréal. Ça fait que il avait décidé que le soir, il ferait un gros souper. Comme ça, pour fêter ça. Hein, les voisins, puis la famille et tout. Fait que dans l'après-midi, il était avec un de ses amis dans sa carriole. On était en hiver, c'est dans sa carriole. Et puis, ça en venait justement pour passer proche d'où était le cadavre exposé dans la fameuse cage, là, pour donner un exemple là, de ce qu'il fallait pas faire. Fait que là, son ami, il dit, « Oh, moi, il dit, j'aime pas ça, passer proche de ça. J'aime pas ça, ça me fait peur. » Valiquette, il dit, hey, « Fais pas peur pantoute, moi, de passer là. » Puis pour montrer qu'il était brave, il fait aller son cheval un petit peu plus vite. Puis là, il longe la clôture, parce que c'était comme sur un gibet, hein, qui s'était accroché ses cageux, là, un gros morceau de bois, là, un genre de gibet, là, une affaire comme ça. Et puis là, pour passer en dessous, puis il longe la clôture, c'était juste en haut d'une clôture. Puis là, quand il arrive vis-à-vis de la cage, il prend son fouet, puis il donne un coup de fouet sur la cage, puis il dit, « Je t'invite à venir souper avec nous autres à soir. » Puis là, il continue son chemin. Mais là, son ami, il dit, « T'aurais pas dû faire ça. » Et je comprends que c'est un grand scélérat qui est dans cette cage-là. Mais là, il a expié, là, au niveau des lois humaines, il a expié, il a été pendu. Puis s'il a un repentir sincère avant de mourir, il est peut-être rendu au ciel, puis tu le sais pas. Mais là, Valiquette, il a eu un petit peu de remords d'avoir fait ça. Mais en tout cas, c'était fait, il ne pouvait pas rien changer. Fait que le soir au souper, toi, toute la famille, là, la parenté, puis les voisins étaient là, puis là, ils ont bien mangé. Puis dans ce temps-là, là, quand ils arrivaient vers le dessert, quand ils avaient mangé le gros du repas, puis qu'ils arrivaient vers le dessert, là, ça se mettait à chanter des chansons. Puis ça avait du plaisir, puis ils chantaient, puis ils avaient bien du plaisir. Tout d'un coup, ça fait toc, toc, toc. La porte s'ouvre toute seule. Hey, c'est le squelette avec sa cage qui arrive, toi. Il y a sa cage en dessous du bras, puis il rentre. Là, plus un mot, hein, le monde, ils sont venus tout de blême. Là, sur le coup, ça pue un mot. Puis quelques minutes après, les enfants sont mis à broyer. Là, ça s'est caché, les enfants, ça se cachait, il allait se cacher. Puis lui, il est rentré avec sa cage, puis il est allé la mettre dans un coin de la pièce, puis il est revenu vers Valiquette. Puis là, Valiquette, il était pas gros. Il était pas peureux, mais quand même, il avait jambes molles. Là, il s'est levé. Puis là, il a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il dit, « Tu m'as invité à souper? » Et il dit, « J'arrive en retard. » Et il dit, « Les morts, ça n'a pas bien faim, ça. Ça n'a pas bien de nourriture, mais ça n'a pas besoin de nourriture beaucoup. Mais ça a surtout besoin de respect. » Fait que là, Valiquette, il dit, « Je m'excuse. Je m'excuse de t'avoir offensé. » Il dit, « Là, dis-moi qu'est-ce que tu as besoin. Je peux te faire dire un service, un libéra, des prières, des messes, tout ce que tu veux. » Le squelette, il a répondu qu'il ne pouvait pas lui dire s'il avait besoin de prière ou pas, il n'avait pas le droit de lui dire. Mais il dit, vu que tu m'as invité, c'est à mon tour à t'inviter, je vais te rendre ta politesse, je t'invite demain soir à venir à minuit danser en bas de ma cage. Et puis là, il est reparti prendre sa cage, il l'a remis en dessous de son bras, il a sorti, puis la porte s'est fermée toute seule. Et là, le monde, là, il savait plus quoi penser de ça. Là, ils se sont dit, on va toujours bien faire une prière parce que c'est un mort, puis tout ça, on sait jamais. Mais là, la femme, elle, de Valiquette, dans sa chambre, elle venait juste d'accoucher, elle était couchée dans sa chambre, mais elle avait bien vu, entendu tout d'un coup des cris, puis des pleurs, puis tout d'un coup un silence, puis tout ça, elle se demandait ce qui se passait. Et là, il est allé y expliquer ça. Là, ils se sont mis à se concerter, qu'est-ce qu'il faut faire. En fin de compte, quand tout le monde a été parti, la femme à Valiquette, elle lui a dit, regarde,
Moi, elle dit, je pense pas qu'il nous veut du mal, ce mort-là. Elle dit, j'en ai pas peur. Elle dit, on a un petit ange avec nous autres. Il vient juste de venir au monde. C'est un enfant innocent. C'est un ange. Tu vas... demain, tu vas aller avec lui quand tu vas vouloir aller à minuit rencontrer le mort. Mais dis, demain matin, tu vas aller voir le curé puis tu lui parles de tout ça puis dis-lui ce que je t'ai suggéré puis confesse-toi. Et fait qu'il a fait ça. Il est allé voir le curé, s'est confessé puis tout ça. Puis rendu au soir... Quand il a été minuit, il s'est en allé avec le bébé dans les bras. Hey, les voisins l'ont suivi, la parenté, en disant le chapelet. Mais là, quand il a approché un peu de la cage, eux autres sont restés loin, loin, ils avaient peur, hein, ils ne sont pas approchés pantoute. Lui, il a approché tout seul avec le bébé dans ses bras. Là, quand le squelette l'a vu, ah, il a dit, t'es pas ben fin, Valiquette, pour moi. Et il dit, t'es pas généreux. Il dit, comment ça, je suis pas généreux? Mais il dit, je t'avais invité à venir. Puis moi, quand je suis allée chez toi, je me suis débarrassée de mon fardeau. J'ai laissé mon fardeau dans le coin de la pièce, ma cage. Puis toi, aujourd'hui, tu viens avec un fardeau. Fait que là, il dit, en tout cas, il a dit qu'il lui pardonnait. Il voyait le petit bébé, il pouvait pas rien faire. C'était un ange, un être pur, innocent. Il pouvait pas rien faire. Mais il dit, je t'avais préparé toute une danse à danser, à rythmer avec mon fouet. Puis là, il dit, j'espère, il dit, que tu vas avoir appris à respecter les morts. Puis je vais vous dire une affaire. Valiquette, après ça, il avait le respect des morts. Fait que vous voyez, ces deux légendes, les deux personnes qui sont mortes d'une façon, là, qui ont été exposées dans les chaînes, qu'on appelait suspendues dans les chaînes, même qu'on disait, bien, il y en a eu deux, puis ça a amené des légendes. Est-ce qu'il y en existe beaucoup de légendes de la Corriveau? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a, je pourrais pas dire le nom, mais il y a beaucoup de versions. On appelle ça des versions différentes d'une légende. Comme je te dis, des fois, il y a deux, trois, quatre maris, jusqu'à sept maris.